Oh putain, je suis dans une merde. Nidorino, il pue sa mère. En vrai, j'ai tunnel, hein. Ça fait combien, 38 x 2? Ah, je suis mort. Je vous avais dit qu'il y avait des... Il y avait des émotions avec la team poison, hein? Oh bordel! Va voir ta maman. Ah oui putain, ma pierre! Oh putain. J'ai dit qu'il y a quand même mes deux couilles en jeu là. Ok, j'ai trois objets, deux couilles en jeu. Si j'ai pas une pierre lune, je me coupe les couilles. Un. Deux. Non mais attendez, non mais attendez les mecs, j'avais pas compris en fait. Attendez, j'ai un quatrième colis. Le colis caché. Comment ça marche la pierre lune les mecs? C'est un objet au hasard, c'est pas genre ça... Je pensais que c'était un truc qui scale moi. En mode c'est de plus en plus ça scale mais c'est quand même aléatoire. Ouais bah là ouais là ça scale bien là. On peut laisser passer personne qui soit de la team Rocket. Faut que j'ai l'uniforme. Comment je drop l'uniforme? Au sous-sol. Ok ok. Merde, c'est où le sous-sol? Il me semble que c'est par ici. Ou par là. Ah mais oui! Je me rappelle en plus, le mec du costume qui m'a pété les couilles là, et j'étais en photo en Team Rocket. Ok. Wouah, j'ai trop de flow, what the fuck! Avec mon smogo et tout, mec, avec mon équipe poison. Non mais là ils vont vraiment me prendre pour... Eh, vous savez que je suis RP, hein. Là, c'est normal qu'ils me laissent passer. Vous savez, quand les gens qui font le jeu, c'est pas normal qu'ils laissent passer, parce qu'ils sont vraiment cons. Moi, j'arrive avec mon smogo dans le bac, je suis désolé, mais là, c'est... Je peux pas faire mieux, là. Eh, hey, salut frérot, j'ai trouvé un smogo. Comme 100% d'entre nous. Oh non, Angel. Attends, il va me reconnaître, j'ai la casquette vue de dos, je pense qu'il me reconnaît pas en vrai. Pour qui vous prenez, bande de minables, à vous grouper ainsi pour gâcher la vie des honnêtes gens? Ah bon, parce qu'il est gentil lui maintenant. Non, c'est... Quoi? Hein? Non, c'est pas moi, non. Quoi? Hein? Quoi? Mais non, mais c'est parce que... Tu n'étais pas une nouvelle recrue? Ouais, j'ai capturé un smogo sur le chemin, là. Angel m'a hint, ouais, c'est pas grave, mec. On tank. Ouah, la vilaine machouille, elle va faire des dégâts, elle, non? Ok, j'ai rien dit. Et mon détritus, il m'est midlife? Smogo, t'es une légende, tu m'es midlife. Oh, dommage. T'aurais pu être une légende. Tu restes un Pokémon de faible niveau, du coup. Tant pis. Ça fait longtemps que j'ai pas combattu Angel en vrai. Ban Angel. Mais en fait, je ban Angel de base si je le bats en 1v1 dans le jeu. Il faudra déjà que je puisse le combattre pour le ban quoi. Croc de mort, c'est ce qui m'a mis de life ou c'est une autre attaque? Merde. J'ai pas envie d'utiliser de rappel, donc je vais plutôt changer de Pokémon en vrai. Ah mais attendez, j'ai Roucool dans mon équipe!
merde. Oh, j'espère qu'il va pas vouloir m'aggro par contre. Parce que là, si je perds Quick Flinch, c'est pas le même jeu. Bah là, j'espère qu'Angel va vraiment pas m'aggro. Parce que là, je pense que je suis dead. Hein. Honnêtement, mon équipe sans Quick Flinch, c'est très faible. Hein. Merci Voval pour les 10 mois. Merci beaucoup. Oh putain, j'ai raté mon attaque. Est-ce qu'il a une évolution qui clique? Non. C'est tout? Oh. Et détritus, ça dit quoi? C'est mieux un peu? Ah oui, ça dit mieux, oui. Quand la viabilité d'une team dépend de la présence de Quick Flinch, c'est vraiment bon signe. Non, je peux gérer sans Quick Flinch, mais... Pas tout le monde, quoi. Bon, vas-y, on va juste espérer qu'Angel me pète pas les couilles. Non, s'il te plaît. T'avais mis un déguisement pour les infiltrer, c'est vraiment une idée de minable. Ok, ça va. Il se casse. Nice. Je vais aller chercher mon Quick Flinch, moi. Oh, y'a maman! Dis-moi que t'as. Oui, je vais voir. Je vais aller voir. Dis-moi que c'est une pierre, s'il te plaît. Non, je mise plus de couilles, je mise plus rien, les mecs. S'il te plaît, maman, achète-moi quelque chose d'utile. Arrête de me donner le coffret scorpion à Noël. Oh, un mouchoir, c'est en pire. Merci Tilu pour les 3 mois. Et on a également Ryuk qui a lancé son prime. Bienvenue à toi, mec. Bon, sur un. Je crois que c'est une attaque prio, étonnement. Visiblement, non. Ah, ouais, je confonds toujours. Étonnement, une bluff, ça se ressemble trop en vrai. Je confonds à chaque fois, genre. Entendre quelque chose sur Mandrico, ouais. Bizarre. Je suis monté à l'étage là, on est d'accord. Ah oui, j'ai jamais vu ici. J'ai quoi de up là? Ok, je raboque toujours. Mais pourquoi tant de haine? Miaou, ça l'aide! La Team Rocket, il leur manque quelque chose. De la musique. Quoi? La musique. La musique adoucit les mœurs. Aucun amateur de musique n'aurait fait des choses pareilles dans cette tour, quoi. Insupportable. Oh, c'est le commandant Lance qui a créé ce plan. Mais quel homme! Oh, commandant Lance. Oh, ça va chauffer pour toi si tu es là pour gêner le commandant Lance. Ce Dick Eating is crazy. Ok. Petite morsure là. Au calme. Au calme, nice, parfait. Il a la trouille, c'est exceptionnel. Ah, je suis ton père en fait, Abo, donc forcément. Mesdames et messieurs, fun fact, Abo c'est Boa à l'envers et Arbok c'est Cobra. Un fun fact que 95% des gens savaient, mais bon. Vu que c'est le seul que j'ai, bah. Je le dis. Hein. Ah ouais, bon, on fait ce qu'on peut, on n'a pas grand chose nous. Hein. J'essaye un peu de. Voilà quoi. Y'a forcément une personne qui savait pas dans mon chat Twitch. Au moins un.
Il avait forcément un petit quoi. Ah beau, ça fait au bas. Oui. Flemme. Je savais, mais j'aime toujours l'entendre. Ah, il y a des gens qui savaient pas en vrai, premier degré. Il hein. Y a des gens qui savaient pas dans le chat. Hein. Par solidarité avec toi. Ah oui, merci. Oui, tu savais pas, mais vas-y, fais l'acteur. Va. Les mecs, je sais pas si vous savez, mais Abo évolue en Arbok. Voilà, fun fact. Je pense que personne ne savait dans le chat. Eh ouais, il évolue. Si, les mecs, si. Si, en Arbok. Oui. Ah oui, la confiance. C'est très bien l'acteur, les mecs. C'est bien. Bon acteur de studio. Viewer DiCaprio. Viewvo DiCaprio. Fun fact que personne ne sait par contre, ce qu'il y a dans la bouche d'Ortide n'est pas de la salive. Mais... ah voilà quoi. Les problèmes. Ah, vous ne le saviez pas celui-là. Ah, vous ne le saviez pas. Vous voyez que je peux vous apprendre des trucs, hein. Sous-estime, moi. Les Pokémon, ça ne sert à rien. Le mec, il a perdu sa conclusion, c'est les Pokémon, ça ne sert à rien. Bon, c'est lui, là? Le vilain, là? C'est votre directeur qui vous parle. Ah non, c'est pas lui. Tenez-vous tranquille et laissez-les diffuser. C'est qui? C'est Giovanni, non? Ça ne va pas de me déranger pendant que je répète mon imitation? Ah non, c'est encore Lance. Oh, Lambda, pardon. Oh là là, je vais pas lui répéter la gueule une deuxième fois quand même. Oh non, mais c'est bon, frère. T'as changé de Pokémon? Ah oui, quand même. Ah, par contre, t'as 6 Pokémon. Ah, mais s'il a des insectes, s'il a des poisons, par contre. Ok, attends, on va préparer les picots. Alors déjà, 6 Pokémon, ça me met très très bien. Malheureusement, il... Alors attendez, j'ai une question. Est-ce que un Pokémon de type poison enlève les pics toxiques pour tous les autres Pokémon ou pour lui-même uniquement? Pour tous? Ah ok, donc il n'y a aucun intérêt que je vais balancer 3 picots et je vais jouer tranquille. Il y a forcément un deuxième Pokémon de type poison qui va proc, ok. Ouais, c'est mort. Il a forcément un tas de morve, hein, bah même un Osferapti, enfin c'est sûr. Ouais. Je vais même pas chercher à comprendre. Je peux scale roulade? Bah en fait je me demandais si ça allait faire des dégâts. Vas-y, je vais tester un scale roulade. Là, je vais le two-shot, non? Ouais. Ouais. Oh non, putain, mais pourquoi j'ai... Eh, vas-y, t'es ban dans le chat. Hein. Non, là, je suis désolé, là, tu prends ton ban. Je suis mort à cause de toi. Je sais pas pourquoi j'ai voulu skier le roulade. Hein. Là, il prend quand même triple pico, on est d'accord. Hein. Attends, quoi? Mais il... Il a pas pris pico, les mecs? Mais attends, mais je vais perdre! C'est une machine de guerre? Ah, il est vite, ok. Oh! Mais il a des meilleurs Pokémon que moi! Il a 6 Pokémon qui sont level 30! Oh putain, mais je peux pas faire lévitation! Mais j'ai rien en fait! Putain, il m'a enlevé la précision, il m'a. Y'a rien qui va. Et tunnel, ça le touche ou pas? Je sais pas si tunnel le touche. Non, ouais, je suis dans la merde.
Et swap de Pokémon, mais tu sais que j'ai rien pour son Smogogo là. Surtout que je viens de perdre Quickflish comme une énorme merde. Non, là en vrai c'est Tadmorph le plus opti hein, avec force. Quickflish, bah Quickflish était le plus opti mais en main hint donc C'est vrai que, en fait le truc c'est que je fais pas de dégâts mais il en fait pas non plus. C'est juste que j'espère qu'il a pas d'hyper potion quoi, comme un champion d'arène quoi. J'espère que Jean Didier ne se prend pas pour un champion d'arène quoi, c'est tout ce que je demande. Je joue sur Citra, c'est quoi Citra? Je pense pas, c'est un émulateur je pense pas. Ah là s'il fait explosion en vrai ça m'arrangerait hein, même si je perds de l'XP. Pas hein, je pense. Il a pas l'air de, il a pas l'air d'avoir de potions. Ok, Smogo. J'avais fait un tuto sur Citra YouTube, 40 000 vues, mais YouTube me la délète. C'est quoi votre vidéo all platform qui a fait le plus de vues? Ceux qui ont sorti un truc. Insta, TikTok, YouTube, n'importe quoi tu vois. Votre vidéo of all time. Et combien genre? 1500, 54, 92 000 YouTube. 1000 vues Penteki Loriana. 200. Ah mais c'est parce que vous êtes pas allé sur TikTok hein, tous ceux qui ont fait 200 ils ont même pas sorti un TikTok hein. Vous sortez n'importe quel TikTok demain où vous montrez votre cul, vous faites forcément 2000. Fragmovidofus, non mais ça mérite pas 200 vues par contre hein. Je vais aller rajouter la mienne là. TikTok j'ai fait 2 millions en 2 jours et je me suis fait ban. C'était quoi la vidéo? Parce que 2 millions c'est énorme. Comment ça se fait que ton Arbok n'a pas ma chouille? Ah, il est possible qu'il ait passé level 22 en mourant. Beaucoup de chance de mon côté. On se régale. Beaucoup de chance. TikTok, c'est broken pour BRC, ouais. Bah, sauf quand tu te fais ban comme moi, mais sinon, ouais. C'est pas grave, je reviens le 9 janvier plus fort en vrai. T'as ban pourquoi? En vrai, j'ai toujours pas la raison. Ils l'ont pas donné, ils m'ont ban de 3 semaines je crois. Mais pour moi la raison c'est que j'ai pris 20 secondes d'un truc d'un film et ils l'ont reconnu genre. C'était un meme dans un film mais bon. Je vais partir du principe que c'est ça et que TikTok sont pas ravagés du cul. Parce que si c'est autre chose, bah forcément j'ai rien fait, je le sais. Y'a que ça où je me dis vas-y pourquoi pas tu vois. J'ai pris 20 secondes d'un clip du film Lucy pour imaginer un meme. Je me dis, il peut y avoir que ça, tu vois. Même si ça me paraît bizarre, mais... En fait, c'est soit ça, soit c'était juste giga random. Oui, tu vois des extraits de films partout sur TikTok, mais c'est des comptes random, tu vois, qui mettent des extraits de films. Ils gagnent pas de thunes. Tu fais un compte? Non, j'attends le 9 janvier. Apparemment, je suis des fans. Dommage hein, parce qu'on marchait super bien mais bon c'est pas grave. J'ai 500 000 vues, 700 000 vues. J'aurais pu faire péter le mignon soon. On va revenir en force, c'est pas grave. C'est vrai que quand même on en parle pas assez, c'est vrai qu'on en parle pas assez.
Mais j'ai quand même triple picot contre Sismogo, quoi. Niveau chance, on est encore une fois au-dessus du soleil, hein. Oh putain. Merci, merci chat, merci. La Team Rocket, faudrait... elle est pas assez intéressante en fait. Ah, il va y avoir Giovanni là? Ok, ok. Putain, en vrai, je vais essayer de pas me chier dessus. Bah, je vais remettre Quick Flash au début. Hein. Il y a moyen que je perde, hein, je vous le dis. Il y a légit moyen que je perde. Attends, mais c'est pas là, non? Attends, merde. Attends, déjà, le temps que je trouve l'endroit. C'est là? Ah, c'est là. Il était de quelle année ce jeu? Bah, je sais pas, 2014-2016? Je sais pas. Je vais dire un truc un peu au pif, mais j'aurais dit ça. Peut-être un peu plus. Non mais le remake, hein. Là ce qu'on a à l'écran, c'était il y a 12 ans. Mais vous foutez de ma gueule, hein. Oh bah là, je viens de prendre un coup au moral, là. Mais what the fuck. Mais attendez, mais là, il y a eu une faille spatio-temporelle, là. Ok. Oh putain, Angel. Il va m'attaquer là, hein. Angel le retour, hein. On fait un bet ou pas? Vas-y, je vais pisser, on fait un bet. Est-ce que je bats Angel? Vous allez pas me croire, la team nuit. Je me promenais, je vois un chat. Dans mon appart. What the fuck. What the fuck. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est plus cool, là. Je redescends. Attends, tu peux pas faire un câlin quand même, la chance est là. Oh, putain. Oh, les mecs, c'est l'enfer, hein. Mais regardez ça. Mais putain. Oh, sa mère. Et ça, c'est le problème, quoi. Elle est belle, n'empêche, hein. Elle est vraiment belle. C'est pour la team Wii, ça. Ah merde, pardon, j'avais passé. Excusez-moi. Il y en a partout sur le mic et tout. Ouais, ouais, non, c'est un enfer, mec. C'est... Y'a pas de débat, c'est... C'est un enfer. Ok. C'est bon pour Angel?
Déjà 5 Pokémon, c'est très bon signe pour moi. Bon, en vrai, le seul Pokémon de type poison qu'il a, ça va être Nosferaldo. Donc je peux me permettre de mettre les pics toxiques. C'est très bon signe, j'ai beaucoup de chance. En fait, j'ai énormément de chance. Allez, faut que le deuxième passe. Nice, allez, c'est gagné, je pense. Ah merde, putain. Non, non, ok, j'ai placé deux pics toxiques. Je vais placer les picots. S'il passe. Passe pas. Allez, au moins un pico. Oh, vas-y, il a malchance. Hein. Ok. Ouais, ça empoisonne gravement. Sauf s'il y a un Pokémon poison qui, du coup, il enlève le pic toxique. C'est pas un crit, ça? Ah, j'aurais bien aimé que ce soit un crit. Hein. Ça va être serré. Hein. Attendez, mais je suis pas censé faire le boussole, là? Attendez, mais je suis censé faire boubombe en fait. Je suis une merde. Par contre, je tiens. Oh merde. J'arrive pas à savoir quand c'est que ça affecte. On comprend rien, sérieux. On comprend rien, ce jeu. Putain, ça commence à puer là. Donc là, ça marche pas là. Bah, je vais coup de corne. Hein. Non mais vas-y, c'est broken. Il faut un peu de chance quand même. Hein. Sinon on va pas avancer. Hein. Ok, faudrait que je le touchote quoi. Vous pensez que je le touchote? Je suis même pas sûr. Ok, bien. Allez, allez, stopper encore un peu de chance. J'en ai besoin, mais putain, mais j'en ai besoin. Mais fais-moi de la chance. Mais putain, et l'autre il crie ce gros fils de pute d'Angel. J'ai plus rien. Je le tue même pas avec des tritus, mec. Vas-y, c'est bon. Il a pas crit là. Ça, c'est ses dégâts, ça. Ouais, d'accord, ok. x 2, ça fait quoi, 64? Ouais, je suis mort. Ouais, c'est grave. J'ai la speed, non? J'aurais dû peut-être faire morsure, non? C'est pas super efficace? Ah non. J'aurais peut-être dû mettre Arbok, hein. Bon après il y a quand même des picots toxiques hein. Ah merde. Je vais faire passer Ortide hein. En vrai le alligator il devrait passer à peu près crème hein. À peu près quoi j'ai dit. 37 x 2. Non mais vas-y frère, on est où là? Non mais putain, mais c'est abusé. Je counte rien du tout. Je sais pas si Arbok il peut un V9.
Il est déjà empoisonné. Vas-y, je vais acide quand même. Pour la stab. Alors en vrai, s'il se tape et qu'il s'empoisonne, il peut se passer quelque chose. En vrai, il peut se passer quelque chose avec Arbok. Hein. S'il enchaîne les problèmes, genre. Ah, d'ailleurs, il est mort là déjà. Hein. En vrai, chaque Pokémon sera... Là, je passe 32, donc déjà, je prends beaucoup d'XP. Ok, Magnéti. Il va pas être empoisonné. Mais il va pas m'enlever le truc au moins. Par contre, niveau dégâts, ça va être très léger. Hein. On va essayer de l'empoisonner. Hein. Oh putain, ça affecte pas. Je comprends rien. Pourquoi poison n'a fait. Pourquoi. Attends, c'est quoi l'expression là? Vas-y, expliquez-moi là. En quoi poison c'est y a un problème avec Magnéti? Donnez-moi le lore là. Acier, ok, bah pas de lore. Ah bon? Et on peut pas empoisonner l'acier. Qui a dit ça? Qui est le créateur? Qui a donné cette règle? Elle a aucun sens. Je suis mort. Une malchance comme jamais. Catastrophique. Catastrophique. Oui, il y a plein d'épées qui sont empoisonnées. Hein. Vous avez déjà vu des épées empoisonnées? Bah... En vrai, le problème, c'est... Je suis mort à cause du jeu, quoi. Non, c'est... J'ai une dague empoisonnée, une épée empoisonnée. On a toujours entendu des trucs empoisonnés, mais là on a décidé que l'acier, ça toucherait pas le poison. Le truc, ça m'a... Personne ne sait pourquoi, personne n'a demandé, mais ils inventent des tables de type sans aucun stream. Ça fait 15 streams qu'on te le dit. Mais en fait, moi, je peux pas, mais tu peux me le dire 15 fois. Si c'est pas logique, ça rentrera pas, en fait. Moi, ce qui rentre, c'est les trucs logiques. Le feu, ça brûle, ça tue la plante, tu vois. Ok, bon, on va retenter, mais il faudrait que Quickflish... En fait, le problème, c'est que Quickflish, c'est mon setup. Et en même temps que d'être mon setup, c'est un très bon Pokémon pour gérer des Pokémon poison. Du coup, je suis... Après, c'est vrai que je pourrais tenter de faire roulade, mais... Et ne pas faire les pics toxiques, quoi. Ouais. Le truc, c'est que roulade contre... Quand ça s'appelle Onde Folie, c'est une très mauvaise chose, en fait. S'il me fait Onde Folie, je suis dead. Hein. Ok, nice. Ouais, roulade c'était pas mal en vrai. Mais je pensais pas que Nosferalto était un problème contre toute mon équipe en fait. Ça c'est sorti de nulle part là. Le Nosferalto qui dérange toute mon équipe, ça c'était vraiment tellement pas prévu genre. J'ai bien déchiré là. Je suis mort. Ah non. Bah après je suis pas... Oh je fais quand même la roulade. Ok, nice. Ah mais là ça fait... C'est une dinguerie là. Ah mais il y avait Spectrum. Spectrum il aurait enlevé les pics toxiques hein les mecs. Parce qu'il est toxique. Ah ouais. Spectrum il aurait enlevé les pics toxiques hein. Donc dans tous les cas... là ça va lâcher Arbok avec une vilaine morsure là. Il a lévitation, mais même, peu importe. Apparemment quand un poison va sur le terrain, ça enlève les pics. Enfin, c'est ce que j'ai compris quoi. Ok, mais là je suis en train de lui rouler dessus là. C'est fou comme un combat change totalement à cause de... Enfin en fait c'était juste que... J'avais un problème contre Nosferalto quoi. C'est ça qui est ouf quoi.
Genre Nosferalto, il y a peu de Pokémon qui le passent de mon côté, à part Quickflish. Et le problème, c'est que Nosferalto a été le premier pendant que moi j'ai eu Quickflish en fait. Pour mes setups. Et du coup, ça m'a totalement baisé en fait. C'est ouf. Il aurait mis Nosferalto autre part, ça aurait été tellement différent. Et vraiment, il y a aussi un autre problème qui est quand même assez élevé, c'est que Quickflish, il est vachement fort au-delà de ses picots, quoi. Du coup, je me retrouve à avoir un Pokémon qui doit faire deux choses en même temps, quoi. Et ça, c'est pas simple. Je sais pas si je poudre dodo, ouais. Poudre dodo, hein. Nice. Après le truc c'est Ortid il pue la merde hein. Pour l'instant Ortid il a pas assez d'attaque spé je trouve. Vous allez voir là je vais pas mettre beaucoup de dégâts. C'est pas ouf quoi. Bon après il dort tu vois mais faudra le faire évoluer mais je veux 32 en fait. Je veux le faire évoluer 32 pour le lore. 28 c'est trop tôt genre pour un Rafflesia. Après oui ça va lui faire un bon boost d'attaque spé, ça va me faire du bien clairement. Nice. Pareil pour Alligature hein. Je suis obligé de laisser de l'endormir sinon je tiens pas hein. Le mec il a mania ou je sais pas quoi là, c'est pas possible. Air Venor c'est quoi ça? Air Venor? Le lanceur envoie une incantation vers le ciel pour empêcher l'ennemi d'effet. Oh. Critique, ok, je m'en bats totalement les couilles. Bon, on va essayer de le slip, le dernier, là. Avant de crever. Oh, la vache. Ah ouais, le mec, il est glace, du coup, il me counter alors que je suis censé être plante. Si je l'endors, je peux faire une dinguerie. Oh, vas-y, je suis gelé, mec, ça n'existe pas, ça, par contre. Oh, je me suis dégelé. Oh, je l'ai endormi. Imagine. Mais là ça serait incroyable par contre. Mais là le truc vient de... Mais après j'ai eu de la chance mais d'un côté je devais pas être gelé de base hein. Voilà ça va dépendre de combien de tours il dort hein. S'il se réveille Putain la poudre de dos elle me carré quoi. Oh j'ai crit. Non mais... D'un duel à l'autre, ça n'a aucun sens ce qui se passe. Là, littéralement, c'est honteux, genre. Ok. Oh bordel. Le truc n'a aucun putain de sens, quoi. Kaioulune, maman? Non, bah, enfin, j'y crois même plus. Hein. Merci maman. Le cadeau de Noël. On va avancer? Bah non parce que je dois attendre le level 47 pour Nidorino. Je sais même plus. 43. C'est vraiment la pire phase du jeu. Mais alors de tellement loin. Attends mais... Ah mais c'était pas là? Ah oui c'était là. Anyways. Ok. Oh, c'est joli. Oh, stylé hein. C'est pas par contre, c'est pas Giovanni ça hein. Amos, tu as pu parvenir bien. Tu dois être l'un dresseur. Nous avons pris d'assaut cette station pour annoncer au monde notre retour. Nous sommes sûrs que Maître Giovanni, qui est parti s'entraîner quelque part, entendra notre appel et reviendra. Nous restaurerons notre gloire passée et tu ne pourras pas nous en empêcher. Ok, ce n'est pas Giovanni les mecs. 3 Pokémon, ok. Malos. Ok, bon, ça veut dire qu'il va lâcher des Malos. Il est gold ou pas? Pas rien à voir avec ce que vous pensez, mais... C'est important quand même pour moi. Ça, par contre, j'ai une mauvaise défense P, donc à mon avis, ça passe pas, c'est ça? Ouais.
Ouais. Enfin, il va me faire mal, hein. Après, j'en enlève un. Enfin, en vrai, ça va, je touche deux fois. Après, si je crit, franchement, je dis rien, mais... Voilà. Suffisait de demander. Démolos, bon, bah là, je meurs. D'accord, 38 quand même, hein. Commence à... Commence à faire beaucoup, là, niveau level, là. Comment ça, 38? Bah, j'ai envie de tenter le quickfish surf, mais bon, je me dis qu'il y a moyen qu'il me pète le boule, quoi. Oui, oui, le poudre dodo contre Démolos. Franchement, il va pas avoir la vitesse et me faire un croc de feu, t'inquiète. Ça va bien se passer, je pense. Wouah, même une feinte, ça fait... Oh la vache, let's go. Oh, le point poison vient d'un V9. Je suis quasiment gagnant. Je pense que les dégâts vont pas être si élevés. Oh, si, quand même. 42 x 2. Y'a pas un bail comme quoi il fait moins de dégâts quand il est empoisonné? Ah, je meurs. Je meurs, mais la souffrance du poison, c'est une bonne chose. Alors là, faut absolument un truc obligatoire, c'est de choper l'XP. Non, mais j'aimerais donner l'XP sur... C'est parce que j'aimerais donner l'XP. J'aimerais qu'il tanque Croc de Feu, mais je pense qu'il en est pas capable. Pour moi, c'est impossible qu'il le tanque. Il est trop... Oh, vas-y, ça a crit. Ça se trouve, il l'aurait tanké, je sais pas. Ouais, y'a pas besoin de grand-chose dans tous les cas. Faut juste que je puisse tanker un putain de Croc de Feu. J'espère qu'il est capable de le tanker, Nidorino. Putain. Ok. Bon, au moins j'aurais récupéré l'XP, c'est le plus important. Il reste un vieux Smogo, ok. Enfin, je dis un vieux Smogo alors qu'il est dans ma team, mais bon, je sais pas. Pas grave. Un vieux Smogo qui est dans mon équipe. Donc là, vous êtes en train de me dire que... Alors, là, attendez. Les Pokémon vol ne sont pas seuls. Ce n'est pas un Pokémon vol, donc je peux tunnel. Ah, mais là, il a des... Oui, non, mais... Ok, c'est des Pokémon vol et lévitation. Mais ça veut pas rentrer, ça. Pas en vrai, est-ce que Ortid est capable de le gérer? J'en ai aucune putain d'idée. J'ai essayé de le jouer à la poudre de dos. Hein. Par contre, ma précision qui baisse. Oh, je touche quand même. Niveau dégâts, ça va être léger, hein, je pense. Détrudu fait aussi mal. On n'a pas le même Smogo, hein. En vrai, j'ai raté aucune attaque. Ah, allez, ça fait... Ah oui, c'est vrai que c'est neutre. Ah oui, parce que je suis poison plante. Mais putain, mais oui. Ok, je... Et bah putain, c'était bien de la merde. À part là, à la fin, c'était scellé là avec le Démolos 38. Notre rêve se réalisera jamais, j'étais indigne de cette noble tâche. Comme Maître Giovanni l'a fait, j'ai dit je vais dissoudre la Team Rocket. Et t'es personne en fait. Il m'a dépouillé ce soir, je suis désolé. Oh, tu les as déjà battus. Merci, nous devons une fière chandelle. Voilà un cadeau digne de toi. Arc-en-ciel. Il y a longtemps, il y avait une vieille tour que nous avons transformée pour en faire notre tour radio. Cet arc-en-ciel se trouvait tout en haut. Ah oui! Ce serait pas le...
La découverte de Ho-Oh par hasard là. En fait, j'ai failli oublier, d'après cet ami, Dirizia, il ne suffit pas d'avoir arc-en-ciel pour attirer les Pokémon légendaires. Je crois qu'il a dit qu'il fallait quelque chose d'autre, c'était quoi? Oh merde, je me rappelle plus. Non, c'était rien. C'est ce qu'on appelle une feinte. Attends, j'ai rien compris là. Vas-y, je vais y aller pour voir. Oui, c'est l'arc-en-ciel, oui, c'est moi, oui. Oui, c'est moi, tu l'as enfin trouvé, comme le Messie, oui. Bon, j'imagine qu'il va me manquer un objet, mais... Je vais quand même save, on sait jamais, genre. Oh! Oh, oh! Oh! Il est pas là? Oh, j'ai fait tout ça pour rien! Je peux voler? J'ai pris Roukoul avec moi ou pas? Yes! Allez, ça part. Allez, ça part. Nouvel artwork. Pierre. Plante. Utiliser. Orchide. Let's go. Yes. Stylé, 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 stylé. Woowers, 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 on est d'accord. On est d'accord, c'est Woowers. Ok, vas-y, j'arrête là, les mecs, je suis fatigué. 3h du mat, je pense que là, ça fait une heure que je fais rien. Demain, on se retrouve avec la team jour à partir de 17-18h. Et demain, on va jusqu'à la Ligue Pokémon, donc demain, ça va être un gros live bien pixel.